ta petite cachette. La cheminée, il va falloir déjà nettoyer le fond et remettre une base pour que je puisse la remonter à l'ancienne comme c'était quoi. Donc dans un premier temps, je nettoie tout ce qui a cédé. Après, je vais commencer à monter le puzzle. Et pour mélanger, tu vois, je fais comme ça, tu vois, puis je mets de l'eau dedans. Que de l'eau? Ouais, de l'eau. Et puis, tu vois, après je fais comme ça, je le mets là, et puis je prends mes gants, je passe comme ça là-dessus. Tu vois, là j'ai fait mes joints. J'ai fait comme ça. Oui. Tu as posé les derniers. La coupe là. Ouais. Là, tu as fait un maigre, c'est ça? Ouais. Tu sais bien le faire. J'ai fait une petite chape en dessous, mettre tout à niveau. C'est bon. Travaille bien. On voit toutes les pièces sont prêtes à être posées. Il a consolidé sa maçonnerie sur laquelle il va faire poser toutes ses, tout ce marbre pour reconstituer la cheminée. Donc là, on avait une cheminée qui était un petit peu en mauvais état. Elle risquait de tomber. D'ailleurs, je crois qu'une partie était tombée, les côtés. Donc Didier est intervenu, il a tout démonté, il a travaillé chaque élément de la cheminée, il les a polis, il leur a redonné une seconde vie. Elles sont comme neuves. Là, on peut voir les rosaces ici qui sont revenues vraiment très très belles. Et c'est quoi comme marbre, Didier? Alors c'est un marbre, c'est du Sainte-Anne qui vient de Belgique. Sainte-Anne. Sainte-Anne. C'est très beau. Donc, j'avais confondu avec le Sainte-Anne des Pyrénées, mais non, parce que le Sainte-Anne belge, il y a plus de noir dedans. Elle est très belle. Voilà. À toi de signer. Tu fais un petit dessin, Marceau. Allez, c'est bon, t'as signé. Voici le mot pour les générations futures et ce sera rangé à cet endroit. Voilà, Didier a prévu la petite cachette. Ce sera recouvert par la plaque de dessus. Voilà. Eh bien, on a 10 sur 10. Ah ouais, ça me donne envie d'en faire d'autres, je vais venir vous dire les choses.